Qui dort pas encore à Abidjan là-bas? Qui dort pas? Qui dort pas? Qui dort pas? Qui ne dort pas? Venons, on va parler rapidement. Je sais qu'il est déjà tard. Il est déjà tard dans certaines régions de la France et puis en Afrique, mais il y a des personnes qui se connectent. OK. On va pas faire ce direct-là trop long. Salut, salut, salut à vous. Salut à vous qui me prenez en marche. Salut à vous, les followers de la page New Jersey 24. Bien le bonsoir, bien le bonjour, selon votre emplacement sur le globe terrestre. Voilà. Je tenais à faire ce petit live-là pour éclaircir beaucoup de choses, un bon nombre de choses rapidement, parce que des personnes ont commencé à me contacter, des personnes se demandent ma position, des personnes sont en train d'après eux, de chercher à savoir, je suis dans quel camp, je suis dans un camp, je suis ici, je suis là, je suis là. Donc, Lopez Jean, soyez salué. Gérard Yao, big up à toi. Adam Samani, vous qui me prenez en marche. Et je tenais à faire une clarification parce que ce matin, j'ai fait un post où j'ai vu en fait des commentaires et j'ai été choqué en fait. J'ai été choqué de voir certains commentaires. J'ai été choqué de voir la manière de réagir des Africains, surtout des Africains. Yadjé, on est prêt et puis on est là. J'ai été choqué de voir la manière de réfléchir de certains Africains en fait. Je vais revenir encore sur le cas Gbagbo. Et en même temps, je vais faire une analyse générale. Vous savez, dans la vie là, donnons la parole aux plus petits que soient. Les plus petits là, qui sont nos enfants, les plus petits, les plus jeunes, ce sont eux-là même souvent, Anne Bonny, soyez salués, ce sont eux-là même souvent qui nous donnent de véritables conseils, de bons conseils. C'est ceux-là même souvent qui ne sont pas hypocrites. C'est celui-là même qui est en marge de te dire tu as déconné ou tu n'as pas déconné. En Afrique, on ne donne pas la parole aux enfants. Et ça, c'est grave. Et ça, là, moi, je vous dis un truc. C'est grave, en fait. Parce qu'on pense que les enfants ne sont pas dotés d'intelligence. On pense que les enfants ne sont pas dotés de raison. On pense en Afrique qu'un enfant, là, tout ce qu'il va dire, c'est des conneries. Mais parce qu'on ne laisse pas la parole, on n'écoute pas, en fait. Les enfants, on n'écoute pas. Et c'est ce qui est grave, c'est ce qui fait que on est toujours, je dis, on est toujours en dernière position. Souvent, on pense que c'est les sorciers. Souvent, on pense que oui, voilà, rien ne va dans ma vie. Souvent, on pense que voilà. Mais quand tu es un père ou tu es une mère, tu commets des actes qui blessent, qui ont des répercussions sur tes enfants. Si vous voyez que ils ne parlent pas, on va dire par respect ou bien par soumission. Ils n'ont pas envie de vous dire la vérité. Parce que si on te dit la vérité, tu seras choqué et automatiquement, tu as dit que l'enfant là ne te respecte pas. Je prends un exemple. Un père qui découche, un père qui doit être à la maison avec sa famille, mais qui passe son temps à découcher, qui a des copines, qui a des maîtresses par-ci, par-là. Qui a des maîtresses par-ci, par-là. D'abord, de un, il ne participe même pas à l'éducation de son enfant. Il laisse la pauvre femme, elle seule, s'occuper de tout un foyer. Entends? Le mariage et la famille, là, c'est ensemble. Un père qui n'arrive même pas à s'occuper de ses enfants, c'est-à-dire qu'il dilapide tout son argent, il fait du n'importe quoi. Et le jour où un de ses enfants arrive à lui dire, mais papa, est-ce que quand toi-même tu regardes ta vie là, tu penses que tu as une bonne vie? Oui, le monsieur m'a crié. Oui, voilà, lui là, il m'a manqué de respect. Comment il peut s'arrêter devant moi pour me dire que, que oui, est-ce que ma vie est bien? Un enfant comme ça. Mais je te l'ai bastonné. Et ça, il y a beaucoup de foyers, il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, en Afrique, qui ont ce genre de raisonnement. Qui ont ce genre de. C'est-à-dire qu'on est tellement stupide. On est tellement bas. On tombe tellement bas. Un enfant qui va dire à sa maman, quand il voit sa maman crier sur son papa, sa maman qui est elle qui commence, elle qui domine, c'est elle laquelle parle. Non, 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 oui, voilà. Un enfant qui a dit, mais maman, tu penses que ton foyer là, tu le gères bien? Maman, tu ne trouves pas que ce que tu attends de faire à papa là, c'est pas bon, on ne fait pas ça. Oui, écoute, un enfant impoli comme ça, un enfant impoli comme ça, je te l'ai bastonné, je te l'ai bastonné, lui, mais manque de respect. Parce que la vérité, un enfant quand il observe, un enfant quand il regarde,
Un enfant, c'est lui-là même qui t'aime le plus dans la vie là. Dans notre vie là, nos enfants là, c'est eux qui nous aiment le plus parce qu'ils ne sont pas hypocrites. Parce qu'ils ne sont pas hypocrites. Un père, vous allez le voir, il va dilapider son salaire, la boisson, les femmes. C'est lui qui a 25 copines, c'est lui qui a 50 copines. Et ça, comment parler? Les enfants ne se mêlent pas de la vie de leurs parents. Bullshit. Ça, c'est des bullshit. C'est moi qui dis ça. C'est des bullshit. Continuez à éduquer vos enfants comme ça. Ils vont toujours rester comme ça. Vous allez rester comme ça. Mais moi, j'ai dit moi. Je suis le gars là. J'ouvre tout. Mes enfants là, on fait des réunions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Voilà. Souvent, les parents s'emportent. Souvent, on s'emporte un peu. Souvent, on stresse le boulot. Tout et tout et tout. On stresse. Et autres. Et puis souvent, tu ne te rends pas compte, tu blesses les enfants. Un enfant, quand il est blessé, il est blessé, il ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas que tu as pensé que tout ce que tu dis, tu as raison. Tu n'as pas raison. Mon frère, tu n'as pas raison. Voilà. Voilà un. Des Jawa. Un enfant qui parle de son père en plein marché. Si l'enfant parle de son père en plein marché, c'est que le père n'a pas donné les conditions. Le père n'a pas mis des conditions pour écouter son enfant. Parce que si le père donnait la parole à son enfant, le père dit, OK, d'accord, créons un cadre. Moi, je crée un cadre avec mes enfants et on discute et on parle. Et on parle pour éviter que ce que je fais puisse, les enfants puissent aller se confier à mes frères ou bien à mes cousins. J'ouvre le cadre et je dis aux enfants, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et l'enfant me dit, voilà. Et toi-même, tu sais que tu n'as pas raison. Je demande pardon à mon enfant. C'est mon enfant, c'est la chair de ma chair. J'ai blessé l'enfant. Je demande pardon à l'enfant. Mais chez nous en Afrique, c'est-à-dire que pour dire la vérité même à un enfant, quand un enfant même te dit la vérité, la preuve en est, au niveau scolaire, d'abord les professeurs même, ils ont. Un enfant n'a jamais raison sur un professeur. Le professeur abuse de l'élève. Il abuse, il fait ce qu'il veut. Quand l'enfant va aller se plaindre, l'enfant n'a jamais raison. Et ça, c'est plus que démoniaque. C'est être idiot. Cette mentalité-là doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Mais ce n'est pas parce que l'enfant te dit la vérité que l'enfant ne t'aime pas. Voilà. Je vais revenir sur le cas de Babou Laurent. Vous êtes là nombreux à insulter, à critiquer. Vous là, vous n'aimez pas babouquer quelqu'un. Vous qui êtes là, qui critiquez, qui insultez, qui parlez mal là. Vous n'aimez pas babouquer quelqu'un. Parce que lorsque Babou avait besoin de soutien là, vous étiez caché. Vous étiez sur des avatars. Vous étiez caché, vous étiez beurré. Il n'y avait personne pour se dévoiler. Nous là, on s'est dévoilé. Je fais partie de la tente de ceux qui se sont dévoilés. De ceux qui ont mis leur portée, de ceux qui se sont montrés, qui ont montré leur amour indéfectible au combat du président Gbagbo et non à sa personnalité. Nous, là, on s'est dévoilé. Vous qui aimez tant Gbagbo, là, vous qui dites que oui, c'est ta vie de foyer, c'est ta vie de couple, un enfant n'a pas parlé, c'est des bullshit. De la merde. Vous êtes là en train de raconter toujours des âneries. Quand un père. Dans le strict respect, doit lui dire la vérité. Un enfant appelle son père. Le père crée les conditions. Quand les conditions ne sont pas créées, c'est pour ça que vous voyez que non, on parle. Tout est un problème de communication. Et il faut créer le cadre pour pouvoir communiquer. Quand il y a un manque de communication, en même temps, tous les secrets sortent. Quand il y a un manque de communication dans une maison, c'est là que vous allez voir que les enfants vont aller se rabattre chez leur oncle, chez leur tante. Pour aller raconter tout ce qui se passe à la maison. Mais si le cadre dans la maison est là, pour pouvoir parler, pour donner la parole, vous allez voir que beaucoup de choses vont rester dans la maison. Un père n'est pas forcément titulaire de toute une vérité et de tout un raisonnement dans une famille. Jamais de la vie. Le père peut se tromper. La mère peut se tromper. L'enfant aussi, il est là, il regarde. L'enfant, c'est un observateur. L'enfant, quand il y a les conditions, quand un enfant est content, quand un enfant est bien, l'enfant est en mesure de te dire, je n'ai pas aimé le comportement que tu as eu. Tu m'as honni, tu m'as frappé devant les gens, devant mes amis et autres. Souvent, vous voulez frapper vos enfants. Quand les amis sont là, ou bien leurs copines sont là, vous voulez que l'enfant résiste. Parce que c'est la honte qui fait que l'enfant ne veut pas avoir honte. Mais on honnit nos enfants. On ne les écoute même pas.
On n'écoute même pas. Et c'est le même problème-là qui est en train de se répercuter dans la politique. C'est-à-dire que nous, en Afrique, nos comportements se sont reflétés, en fait, dans la politique. Aujourd'hui, on parle de Kakabé. On dit que Kakabé a vendu la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi Kakabé vend la Côte d'Ivoire? Kakabé qui a son père qui est Henri Konan Bédier. Henri Konan Bédier qu'il vénère. Il vénère Henri Konan Bédier. On crée les conditions. Le gars, il y a une élection. Il veut se présenter. Tout et tout et tout au sein du parti et autres. On exclut Kakabé. On le jette. Sa famille politique le jette. On jette Kakabé. Il veut parler à Bédier. On l'ennie, on l'ennie, on l'ennie. On prend Kakabé avec la clé. Kakabé s'est retourné là à l'Assemblée nationale. Et le troisième mandat a été validé au calme. Le troisième mandat a été validé au calme. Et on trouve que Kakabé, c'est un traître. Mais c'est vous-même qui êtes maudit. Vous qui accusez Kakabé là, c'est vous-même. Quand Kakabé a pris l'argent là, c'est vous-même. Si le père avait écouté Kakabé, on n'allait pas en arriver là. On n'allait pas en arriver là. Voici le cas aujourd'hui, Gbagbo et Blé Goudé. Blé Goudé, je le salue. Ce jeune-là, je le salue. Il a les pieds sur la terre. Il a les pieds sur la terre. Quand il s'agissait de donner sa poitrine, le jeune a s'affiché. Quand il s'affichait en 2002, lève-toi. Pendant que si tu dors, lève-toi. Si tu manges, laisse la nourriture. Va défendre le pays. La Blé Goudé n'était pas traite. La Blé Goudé était vénérée. La Blé Goudé, non, Blé Goudé, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Mais hélas, comme dans chaque parti politique, il y a des vautours. Il y a des vautours, comme dans chaque parti politique. Quand le jeune a donné corps et âme, il a voué toute sa jeunesse au combat noble du président Gbagbo Laurent. Là, il était vénéré. Aujourd'hui, le voici. Vous écoutez Blé Goudé. C'est un cœur, c'est quelqu'un qui a un cœur meurtri qui parle. Parce qu'il a partagé la cellule du président Gbagbo Laurent. Il a partagé les pleurs. Il a partagé les peines du président Gbagbo Laurent. Il a partagé tous les jours. Pendant qu'il était en prison. Le président Gbagbo Laurent avait pour camarade de chambre. Camarade de cellule, Blé Goudé. Vous tous qui êtes autour là, vous êtes des fakes, c'est des hypocrites. Le seul qui a partagé les peines de Gbagbo Laurent. Quand tu es à l'étranger et que tu vois ton frère ivoirien, mais africain, de toute façon tu es content, de toute façon c'est doux. Et ils vont se rappeler, parler même la même ethnie, parler même, ils vont se parler, causer, chahuter. Vous avez vu comment ils se sont embrassés lorsque on a dit qu'ils sont acquittés. Ils se sont, on sentait l'amour d'un père. Aujourd'hui, le président Gbagbo est dehors. Même pour dire le nom de Blé Goudé, le nom de Blé Goudé, on ne peut pas le dire. Blé Goudé, c'est un traître. Hein? Quand l'enfant a donné sa jeunesse pour Gbagbo Laurent, là, il n'était pas traître. Parce qu'on dit Blé Goudé est traître. Nous tous, on critique nos parents. Matin, midi, soir. Il n'y a pas quelqu'un qui ne critique pas son papa. Il n'y a pas quelqu'un qui ne critique pas. Quand on est entre frères et sœurs, là, on se met là, on critique nos parents. On critique nos parents. On critique nos parents. Mais c'est celui qui va rapporter au papa là. C'est lui qui est le plus mauvais. C'est lui qui est le plus démon. Sinon, on critique là. C'est parce qu'on dit qu'on respecte même les parents, même pour s'arrêter en face d'eux, même pour leur dire la vérité. Et ça là, on a mis cette barrière là. Et on se cache pour parler. Parce que voilà. Mais lui qui a s'élevé pour aller dire, lui là. Champion, nul n'est parfait sur cette terre ici. Nul n'est parfait. On parle là, c'est pour arranger. Si le père s'est comporté mal, qu'on a parlé, on s'est mis derrière pour parler là. C'est parce qu'on n'a pas apprécié le comportement du père. On n'a pas apprécié son comportement. Le père, il arrive le 17 juin. On attend le père. On attend le père de la nation, au pas la nation. C'est des gens que moi maintenant j'ai vus, qui étaient cachés au Ghana, qui étaient cachés. Quand on dit, mais c'est Gbagbo là, les Saint-Pierre là. Non, moi c'est pas Gbagbo. Gbagbo là, mais il est trop bête. Gbagbo là, mais il est trop bête. Je connais plein de personnes. Beaucoup de personnes.
Malgré que Gbagbo a été pris, j'étais encore là dans Yopougon. J'étais dedans. Même les FSI là, on se connaît. On passe, voilà petit Gbagbo là, et puis on lui a dit, ouais, on est dedans. Même quand on a perdu là, on est dedans. Et on est resté dedans jusqu'à... On ne s'est pas caché, on ne s'est pas mis sous avatar. Je ne me suis jamais mis sous avatar, jamais de la vie. Jamais. Les gens, maintenant, tu dis, Gbagbo, pardon, ils sont là. Quand tu dis Gbagbo, pardon, on nous écoute. Moi-même, je suis encore dans le budget, puis je parle. Je dis Gbagbo, quand je rentre là, les gens savent, on dit, voilà, petit Gbagbo qui arrive. Tous ceux qui me connaissent, ils peuvent témoigner. Mon amour est défectible pour le président Gbagbo Laurent. Monsieur, vous l'avez entouré. On ne sait pas c'est quoi vous avez donné au monsieur. On ne sait pas c'est quoi vous lui avez dit. On ne sait pas. Le monsieur, même étant en prison, même là, il n'avait pas ce comportement-là. Il est sorti. C'est là maintenant, vous allez montrer. Vous allez rendre le monsieur là haineux. Gbagbo Laurent n'a jamais été haineux. Gbagbo Laurent n'a jamais de rancune. Gbagbo Laurent, que moi je connais, il est quelqu'un qui aime l'opposition. Il est quelqu'un là. Quand il marche dans son groupe là, il aime qu'on s'oppose. Dans le monopole de la vérité. Bogado Doudou perd son âme. Gbagbo même a dit dans le documentaire. Gbagbo même a dit. Parce que Bogado Doudou, il est en contradiction avec Gbagbo Laurent. Le président Mamadou Koulibaly. Il discute, on est opposé. Non, on n'aime pas, on n'aime pas. Mais est-ce que ça empêche l'amour et la vision qu'on a pour le parti politique? Non, ça n'empêche pas. Dans une famille là, on peut se disputer, on peut faire parler, on peut se frapper, mais est-ce que ça empêche l'amour? Est-ce que ça arrête l'amour? Ça n'arrête pas l'amour. Si on critique le président Gbagbo Laurent, c'est parce qu'on aime ce monsieur-là, c'est parce qu'on a connu ce monsieur-là, c'est parce que nous avons marché dans les pas de ce monsieur-là, et c'est parce que nous aimons ce monsieur. Un homme, quand il change positivement. Il change positivement. Quel que soit, ma mère m'a donné un conseil. Mon fils, ne laisse pas les problèmes de la vie changer ton comportement, changer ta nature. Tu as ta nature que Dieu t'a donnée. Si tu es bon, tu es bon. Si tu es mauvais, tu es mauvais. Mais ne dis pas que tu vas changer parce que tel ou tel ou tel a fait ça. Donc, tu changes jamais de la vie. Ne change jamais ta nature. Gbagbo Laurent ne peut pas changer sa nature. Gbagbo que nous avons connu. Hier, yeah, quand il s'agissait de faire des marches, des réunions, et quand il s'agissait de compter sur la jeunesse, quand il s'agissait de compter sur des gens pour s'afficher, vous nous avez approchés, vous nous avez côtoyés, vous vous êtes mis même dans les plus... C'est-à-dire que vous vous êtes tellement cachés en bas, les jeunes, allez-y, hein, c'est vous, c'est votre temps. Les jeunes, allez-y, hein, c'est vous, c'est votre temps. Aujourd'hui, il s'agit de parler du congrès du nouveau... Il s'agit de parler du parti du président Gbagbo. Il s'agit de mettre en exergue. Vous avez sélectionné des personnes. Dans tous ceux qui ont fait le combat, c'est Iba Ipo, vous l'avez pris. Tous ceux qui se sont mis sur la toile, tous ceux qui se sont mis, qui ont bataillé, tous ceux qui ont donné, tous ceux qui sont restés en exil, des gendarmes même, tous ceux qui se sont mis sur la toile dès le début, le combat a commencé. On les connaît. Je vais parler des dessins animés. Je vais parler de Choco Altamira. Je vais parler de mon frère, Oko Sissi, Baba Nico. Et il y en a plein. Qui se sont levés dès les premières heures pour s'afficher, parler, critiquer le pouvoir Ouattara, critiquer, parler du président Gbagbo. Pourquoi on n'oublie jamais le président Gbagbo Laurent? C'est une seule personne. Iba Ipo. C'est Iba Ipo, vous l'avez pris. C'est Iba Ipo qui va porter le flambeau. C'est votre choix. Et on vous le concède. Mais tout ce que vous faites, une pensée même pour mon frère Guedi de Guedi. Tout ce que vous faites là, on vous le concède. Pensez que nous n'aimons pas le président Gbagbo Laurent. Pensez que nous parlons du président Gbagbo Laurent, on veut le détruire. On vous le concède. On vous le concède. Vous pensez que nous n'aimons pas le président Gbagbo Laurent, on vous le concède. Vous pensez que nous là, on n'aime pas Gbagbo Laurent, on vous le concède. On attend de voir le parti du président Gbagbo Laurent. Mais tout notre souhait, moi mon souhait, c'est de voir le président Gbagbo Laurent.
Le message que j'ai pour lui ce soir, président Gbagbo Laurent, ne laissez personne, ne laissez personne changer votre nature. À l'état de nature, vous êtes bien. À l'état de nature, vous êtes bon. C'est pour cela que les Ivoiriens vous ont suivi. Vous êtes le réconciliateur. Vous êtes celui-là même. Vous êtes celui-là même qui marchait aujourd'hui avec le président Bédié. Vous êtes celui-là même malgré ce qui s'est passé. Vous êtes celui-là même qui est allé faire atout à Alassane Dramane Ouattara. Malgré qu'il vous empêchait de venir voir votre maman. Malgré que Bédié même disait que votre place se trouvait à la CPI. Vous avez quand même fait fi de votre ego. Ne changez jamais votre nature. Pensez à vos enfants. Pensez aux cris et aux pleurs que vos enfants font. Écoutez, si vous avez l'opportunité, écoutez, mettez-vous à votre balcon, écoutez ce que vos enfants disent. Écoutez ce que les enfants disent. Créez le cadre. Créez le cadre. Vous allez entendre beaucoup de choses. Vous allez entendre beaucoup de choses. Sur ce, moi je vais vous dire, l'amour que nous portons au président Gbagbo Laurent, c'est un amour qui est indéfectible. Voilà. Je ne peux pas me mettre là pour dire, oui, voilà, le président peut déconner, il déconne, il fait ceci, il fait cela, il n'est pas sage comme je le dis et autres. Mais ça ne va pas changer ma nature. Nous suivons la politique. Nous aimons la politique du président Gbagbo Laurent. Mais à un moment, il faut dire au père, tu es en train de déconner. Papa, tu es en train de déconner. Ne changez pas votre nature. Pensez à votre fils Blé Goudé. Dans la vie, voilà, les gens veulent que forcément tu ressembles à quelqu'un. Même moi-même. J'aimerais pas que mon fils peut me ressembler, peut avoir mes qualités. Mais j'aimerais que mon fils, il ait lui-même sa propre nature. Il ait lui-même son propre nom. Il se passe lui-même quelque chose. Mais ne lions pas toujours nos idées et nos esprits pour dire que voilà, c'est mon enfant, je veux qu'il devienne tant, je veux qu'il fasse ça. Non! Prions pour que nos enfants puissent nous dépasser. Prions pour que nos enfants là, ils puissent. En plus, ils peuvent aussi créer eux aussi leur nom. C'est comme ça. Blé Goudé n'est pas FPI. Il a son parti politique. Blé Goudé n'est pas obligé de dire « J'ai fait la politique du président Gbagbo Laurent. » C'est son référent. Il a déjà dit, c'est son mentor. Blé Goudé veut créer son étiquette politique. Mais son référent, c'est Gbagbo Laurent. Quand même. Quand même, sachons faire le distinguo. Tête, vous avez toujours la machine à tête dans vos yeux. Tête. Je te suis plus. Toi là même là. Hé, champion, quand tu veux juger quelqu'un là, on regarde son histoire. Quand tu veux juger quelqu'un là, regarde son passé. Quand tu veux juger quelqu'un, on se connaît. Quand on parle, on se connaît. Quand quelqu'un n'a pas peur de s'afficher là, on se connaît. Moi, je n'ai jamais eu peur de m'afficher Gbagbo Laurent. Jamais de ma vie. Ma vie même a été menacée. Mais jamais je n'ai fléchi. On m'a fait des propositions pour être de l'autre côté. Mais jamais je n'ai fléchi. Je ne peux pas dire parce que le président Gbagbo Laurent m'a déçu. Donc, je vais aller au RDR, mais ceci, cela. Jamais de la vie. Sur ce, ne laissez jamais personne changer votre nature. Vous êtes bon. Ce n'est pas parce que celui-là a fait ça que vous allez changer votre nature. Restez bon, restons bons. On est ensemble. Bonne soirée à vous. C'était mon petit message. Demain, si Dieu le veut, on s'attrape. Sur ce, ciao. Bonne nuit. Big up à mes soldats. Oko Sisi, Gedi de Gedi, Choco Altamira, Babade, je te salue. Boum, dessin animé. Vous êtes des pleins. Et à tous mes camarades aussi de lutte. À tous mes camarades. Avec qui je faisais des vidéos. Vous-même, on ne s'entend pas en ce moment sur le problème de Gbagbo. Je vous salue. Vous aussi, vous avez donné toute votre énergie. Mais une chose est sûre, regardons la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire soit un pays où on peut être libre de s'exprimer, où on peut être libre de penser, où on peut être libre de faire quelque chose, sans pour autant dire que parce que tu n'appartiens pas à ça, non, tu n'as pas ça. On n'a qu'à avoir une Côte d'Ivoire de mérite. J'espère que dans le nouveau parti du président Gbagbo Laurent, on aura au moins des primaires. On aura au moins des primaires pour voir la succession, pour éviter que
il y a des problèmes de succession, pour éviter qu'il y ait des problèmes d'héritage. Parce que lorsque toi, tu nommes quelqu'un, ou bien tu aimes quelqu'un par affinité, ça devient un problème. Qu'il y ait des primaires, organisons des primaires dans les partis politiques, que ce soit au RDR, au PDCI, au FPI, au COGEP, à tous les partis politiques, faites des primaires, on va savoir la succession. Il est mieux que les Ivoiriens connaissent la succession. Mais pas qu'on dise que lui là, on l'a mis là parce qu'il me plaît. Lui là, ça fait des frustrés. Ça fait des frustrés. Organisez des primaires. Faites comme aux États-Unis. On sait qui va se présenter. On sait après ça c'est qui. On a la lignée. Et par mérite. Faites des choses par mérite. Ne faites pas des clubs d'amis. Il est temps qu'on mérite. Mais écoutez vos enfants. Chers frères, chères sœurs, créez le cadre pour parler à vos enfants, pour demander à vos enfants comment ils voient la vie, comment ils vous voient. Permettez à vos enfants, demandez à vos enfants ce que vous faites là, est-ce qu'ils voient, est-ce que vous êtes des bons parents, est-ce que vous êtes bien par rapport à eux, est-ce que vous êtes bien, est-ce que c'est ce que vous faites là, est-ce que c'est ce que les enfants voulaient. Écoutez vos enfants, vous allez mieux gérer votre vie. Sur ce, big up à vous, on est ensemble.